Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan Roussel. Me voici donc en Bretagne. La Bretagne que j'ai beaucoup sillonnée avec mes camarades de Louise Attaque ou en solo durant différentes tournées. Toujours très très bien accueilli en Bretagne. Vraiment, ici on aime la culture, on aime la fête. Tellement bien accueilli que je me suis dit que peut-être je pourrais m'installer ici. En tournée, on s'arrête jamais vraiment. On passe d'une ville à une autre et je m'aperçois aujourd'hui que la Bretagne, je la connais pas si bien que ça. Alors, pour choisir mon prochain pied-à-terre, je me suis dit que le mieux, c'était de me faire aider par quelques amis artistes qui, eux, ont déjà posé leur valise ici et que peut-être ils pourraient me faire découvrir leur Bretagne. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jane Birkin, dans le pays des Abers. Les Abers, ce sont trois fjords bretons que l'on trouve là-bas, tout au bout du Finistère. Jane Birkin, elle habite entre l'Aber Benoît et l'Aber Vrac. Je sais qu'elle veut me faire découvrir ses amis et quelques-uns de ses lieux de mémoire, mais moi aussi, je lui réserve une surprise pour la fin de la journée dans le Léon, une surprise musicale, bien sûr. Bonjour. Gaëtan. Bonjour Jane, vous allez bien? Ouais. Allez, entre. Allez, avec plaisir. Merci. Hop. Merci de m'accueillir, Jane. Va prendre un café? Avec plaisir. Tu vas bien? Ouais, ben oui. Moi, je suis ravi de vous rencontrer. C'est... Hop, je me permets d'enlever le blouson. Ben oui, moi, on s'est croisés une fois. Ouais. Sur un plateau télé. Mais sinon, on se connaît peu, donc ça me fait plaisir parce que vous avez... Et t'es d'accord pour qu'on passe une journée ensemble? Moi qui cherche à m'installer ici, vous connaissez cette région qui a l'air magnifique, donc vous allez me guider un petit peu si vous voulez bien. J'ai quelques plans. Ah, parfait. J'ai quelques plans. Je te montre tout à l'heure. Avec plaisir. Et alors, ici, on est où? Alors, on est dans les pays des Abers. Mm-hmm. Et ça, c'est là-bas, Benoît. Et ça, c'est une maison de, je ne sais pas, 1900 que j'ai achetée il y a 30 ans. Pourquoi avoir acheté cette maison ici? Pas parce que c'était pile poum en face de le rocher où mon père venait pendant la guerre. Et j'ai su que c'était avant et c'était beaucoup trop grand et c'était le véranda fuyait, c'était si excitant en fait. Mais c'est la première fois, il y a 30 ans, c'est la première fois que vous veniez ou vous êtes venu plus jeune? Première fois. Oui, j'étais juste attirée par ce publicité où on disait que la maison était à vendre. Et j'avais une petite maison tout chou en Normandie, mm-hmm, que j'ai vendue dans la nuit. Ah oui. Pour arriver ici avec un prêt de 30 ans de la banque. Et ma pauvre maman qui était avec moi et qui avait espéré que j'achèterais dans le sud, là où elle pouvait se réchauffer médiocrement ses vieilles os. Et mon frère est déjà dans le pays de Galles, donc tu imagines comme elle était excitée de se trouver. Je dis, mais c'est pour papa, il venait ici. Elle dit, oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, toutes les aventures qu'on a eues depuis 30 ans, enfin, les enfants, tous mes petits-enfants, et puis Lou, plutôt enfant, quand je suis venue ici, Romain tout petit. Donc c'était une maison folie. Et moi, j'ai un petit peu regardé, parce que j'ai été un peu curieux, j'ai regardé et je me suis aperçu que, à peine vous êtes arrivé ici, si j'ai bien compris, vous avez écrit, vous avez eu envie de tourner un film ici, tout de suite. Oui, j'ai tourné un film qui s'appelle Boxes, ici, sur quelqu'un qui déménage ou qui aménage. Et c'est le fait d'arriver ici qui vous a donné envie d'écrire sur ce thème-là? Oui, parce qu'il me semblait qu'en arrivant dans un lieu, contrairement que quand on le quitte, on embarque dans ces boîtes, c'est pour ça que ça s'appelle les boîtes, tous les personnages du passé. Oh,
God, what on earth is that? It's Nina. Je ne voudrais pas m'immiscer, mais je voulais vous faire remarquer que moi, j'ai eu la fille du gardien du phare. Ici, il y avait Michel Piccoli. Il y avait Geraldine Chaplin qui jouait ma mère. Il y avait John Hurt qui jouait un mari. Il y avait Jackie Cario qui jouait un deuxième. Il y avait Annie Girardot qui jouait un folle. C'est un film qui est autobiographique, qui avait comme but, ou en tout cas de manière métaphorique, qui parlait de vous et de ce qu'on... Oui. Vous pensez qu'on est rempli de tout ce qu'on a vécu, comme si on était rempli de notre passé, ouais. Ben, on a envie de les trimballer avec soi. Et le fait d'ouvrir les boîtes, ça permet de s'alléger. Voilà, alors les gens étaient installés ici, perchés, et les morts aussi. Et de voir Piccoli et Geraldine Chaplin qui partaient dans le jardin, j'ai dit à ma sœur, oh, je viens de voir nos parents. Elle a dit, embrasse-les pour moi. Ah, c'est joli. Ah non, c'était trop joli. Alors, est-ce qu'on se promènera un petit peu? Regarde, il fait beau. Ah, c'est oui. Quand même... Ouais. On va à Port-Salle? Moi, je vous suis. Enfin, je vous conduis. C'est vrai, c'est toi qui conduis. Ah oui, c'est moi qui conduis. Il vaudrait mieux. Bienvenue. La carrosse. Bella. 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 Allez, hop. Hop, 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 hop. Allez, la jeunesse. Oh, good girl. Merci, super. On est parti? Oui. Hop. Alors, tu vas tout droit. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Vous venez souvent toute seule ici? Je viens avec Bella. Oui, vous avez toujours eu des J'ai toujours eu des compagnons. Des compagnons. À quatre pattes. Et vous venez ici pour écrire aussi? On parlait de votre film tout à l'heure, des chansons. Vous venez ici écrire les textes? Ouais. Le dernier disque, j'avais écrit Catch Me If You Can, une chanson en anglais. Oui. Et Les Fantômes aussi. Mm-hmm. Et puis en anglais, et Marie Haute avec un cornemuse. Oui, je vois très bien sur votre bien sûr. Oui, oui. Tout ça, j'ai écrit ici. La cornemuse en introduction de la chanson, je vois très bien. Vous avez conscience que vous faites partie de la bande originale de la vie d'à peu près nous tous. C'est ça non, qui est fou. Non, je ne suis pas consciente de ça. Comment vous le vivez, vous, la célébrité que vous avez depuis, bah, depuis ici, toujours ici, tout le monde s'en fout. Paris. Ouais, il y a tout quelque chose de différent. Personne ne regarde du tout et je me sens vraiment protégée ici. Mmh. Et les gens sont très, très discrets ici. Personne ne vous emmerde jamais. Mmh. Ça fait partie du charme, c'est justement que ça soit loin de tout. Mmh. Et là, on va traverser la mer. Et de l'autre côté, il y a des plages encore plus désertiques et magnifiques, avec des îles à la Peter Pan, vraiment. Et donc, cette aber, c'est l'aber Brac? Non, ça, c'est l'aber Benoît. D'accord. Et il est une sœur de la Bavac. D'accord. C'est juste à côté. Remember me to one who lives there. She once was a true love. Diane, j'ai lu que vous aviez dit, en parlant de la région où nous sommes, que vous aimiez la mélancolie des abers. Vous êtes mélancolique, vous? Nostalgique? Probablement un peu de tout ça, mais c'est vrai que c'est... Il y a une mélancolie très séduisante des abers. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui... Les marées, Oui, parce que c'est à la fois violent et stagnant, à la fois. Mm. Comme moi. Ici, c'est la même atmosphère que quand j'étais petite, l'île de Wight et tout ça, c'est un peu le même... C'est très anglais. Pardon, ou en Angleterre, c'est très breton. Pourquoi vous êtes partie de Londres? Parce que j'ai fait un film à Paris et j'étais prise par le casting pour le film Slogan avec Serge. Oui, c'est comme ça que vous êtes rencontrée. Ah, oui. Et après, j'ai pu bouger parce que j'ai pu faire la piscine et puis les chemins de Katmandou, ça m'a fait gagner un peu de temps pour ne pas être trop à la crochet de Serge. Vous vouliez être autonome. Oui. Et Diane, on parlait de votre papa et votre maman. Ah, ma mère était une figure magnifique. C'était peut-être
une des personnes les plus... le plus belle, mais le plus indépendant. Alors, pour le coup, actrice, pendant la guerre, elle chantait dans les théâtres pendant que les bombes tombaient à gauche, à droite, d'une sophistication absolue, une merveille de femme, une grande intellectuelle. C'est par elle que, si je connais le moins de choses en littérature ou en poésie, c'est à cause de ma mère. La bibliothèque à la maison, c'est la sienne. Et mon père l'a embarqué dans une ferme, parce que lui, il rêvait de vivre à la campagne. Il l'a embarqué dans une ferme juste trop loin pour qu'elle puisse jouer à Londres. Donc, quand il est mort, elle s'est remise à chanter dans les cabarets. Tu vois où c'est pour ça, là? Oui, je vois. Et j'avais compris à ce moment-là à quel point mon père l'avait frustrée. Et... À partir du moment où vous avez... souhaitait être actrice, elle vous a encouragée. Oui, elle a encouragée, mais elle a subi. J'ai su plus tard le colère de mon père qui a dit qu'elle a monté ses enfants pour devenir des artistes comme elle. Mon frère était assistant de Stanley Kubrick, et moi, tout d'un coup, me voilà dans une pièce de théâtre à 17 ans. Alors que mon père souhaitait que je sois un peintre comme lui et que je bouge pas de la maison trop. Et finalement, mon père, très injustement, s'est poilé beaucoup sur mes films parce que du coup, je l'embarquais partout. Et oui, c'est lui qui voulait. Non, et ça libérait oui. Votre maman, comme et on le disait tout à l'heure. Ça libérait ma mère. Et lui avait. Et j'adorais d'être avec lui parce qu'en plus, comme il n'était pas acteur ni metteur en scène, il ne souhaitait pas avoir des rôles, il louchait pas sur oui, une possibilité. Que le plaisir de vous voir voilà. Finalement et épanoui. Du coup, il rigolait avec Serge en attendant que je revienne le soir. Et leur complicité était géniale. Enfin, c'était un délice de faire des tournages avec eux comme compagnons. Et Serge, il vous accompagnait aussi beaucoup sur les tournages? Il ne m'a jamais laissé seule un instant. Ah! Il venait toujours. Il avait peur que vous rencontriez. Oui, mais en fait, lui, il a écrit toutes ses plus belles chansons. L'homme à la tête de chou, Melody Nelson, était écrit sur mes tournages. Il était avec vous et il trouvait le temps. Moment... Mais il trouvait le temps et très long. Très long. Parce qu'il se trouvait dans il les endroits. Il écrivait avec sa plume, alors pas de piano et tout ça, non. Sur ces moments-là. C'était des morceaux de poésie. N'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Alors là, Jane, on est à Port-Sal. Oui. C'est là, mon cocadic, c'est ça? Oui. Il nous a laissé l'encre. Melody Nelson. Tu vois quand même qu'il n'y a pas un chat. Oui, c'est vrai. Et alors, ma question, elle est toute bête, c'est on est quand même à une vingtaine de kilomètres de chez vous et c'est quand même là que vous aviez envie de m'emmener. Il doit y avoir une raison. Pourquoi cet endroit? On est limite hors secteur pour vous. On est hors secteur, mais on fait une déviation. Pour le poissonnerie. D'accord. Parce qu'on ne peut pas acheter du poisson quand même dans les villages à côté de chez nous. Et comme je boude les grandes surfaces, il y a ce poissonnerie que j'ai connu depuis mon arrivée, en fait. Donc c'est là que nous allons pêcherie. Voilà, c'est exactement ça. Super. Et c'est tellement bon, ils sont tellement gentils que je ne bouge jamais de là. Hop. Quatre. Allez, Bella. Ah, salut, bonjour. Ça va? Oui, bonjour. Bien, vous? Ouais, ça bien? Va bien. Avec le beau temps. Bonjour, monsieur, ça va? Enchanté, il va très bien, oui, merci. Enchanté, merci. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Oui, alors beau, j'ai différentes choses. J'ai du bar de ligne, j'ai mon lieu de ligne. Un bar de ligne, c'est très un bien. Un bar de ligne, oui. C'est pour combien de personnes? Eh bien, quatre. Quatre personnes? Dans ce cas-là, je vais avoir cette taille-là. Ça peut vous aller. C'est parfait. Impeccable. Tes sols étaient très bons. Je l'avais foutu au congélateur l'autre jour. D'accord. Et c'était un délice. Eh ben, c'était ouais. Une surprise. Voilà. Quand on a la qualité dès le départ, généralement. Ouais, c'est ça, super. Ouais, ça se tient très très bien. Super. Qu'est-ce qu'il est? Le visage triste. Ah. Il ressemble à un copain. Il est triste. Il saurait se reconnaître. Ça fait combien de temps, vous, que vous êtes ici? Le chef, ça fait donc 150 ans. Ça fait 150 ans que la maison existe. Et puis sa maman était toujours derrière la caisse. Exactement. Et elle va bien, elle est au-dessus? Oui, elle va bien, oui, elle a 92 ans, elle va très très bien. Vous lui dites bonjour. Oui, avec grand plaisir.
Alors, vous me dites que le patron, il est là depuis des années et des années. Ça veut dire qu'il était là fin des années 70. Tout à l'heure, on est passé devant l'angle de la Mococadix. Vous nous rappelez ce que c'est, la Mococadix? Tout à fait. Ça a été tout simplement une grande marée noire vraiment, vraiment importante. Ça a été un des premiers pétroliers à s'échouer donc, sur nos côtes, qui a fait des ravages monstres. Mais on a eu un avantage, c'est qu'on a des mers qui se renouvellent très, très bien. Et qui sont très très riches, et c'est ce qui nous permet justement d'avoir des poissons de qualité. Donc tout est revenu, pourtant ça, voilà, ça avait dû arriver à... Ah mais c'était arrivé jusque sur le parking, même voire plus loin, avec des épaisseurs vraiment impressionnantes. Quoi. Ça a été vraiment à ce moment-là un choc, comme vraiment vraiment un drame important. Tout est revenu, ça a l'air... Tout à fait, oui, tout est revenu. Là, on a des mers vraiment riches, de toute façon il n'y a qu'à voir. Hein. Les poissons sont beaux, quoi. Alors, c'est qui la star ici, le poisson? Alors, c'est le poisson qui star, est souvent là, qui est. Tout à fait. On a deux poissons stars. Ça va être donc le lieu de ligne, qui est le poisson vraiment majeur sur nos côtes. Mm-hmm. Et on a après tout ce qui est bar, bien sûr, bar de ligne. Ouais, ouais, donc voilà. Très bon choix. Oui, t'as pris la star. Voilà, voilà. Oui, le bar est bien parce qu'après, si te reste du bar. Tu mélanges avec une pomme de terre écrasée et tu fais des fish cakes le lendemain. Oui. Si jamais tu en as trop, mais il n'y en a jamais trop. Et ben voilà. Et bien, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Vous un beau merci pour votre journée. Merci. À très vite. Hein. À vous aussi, bon week-end. Merci. Merci. Au marché mercredi alors. Oui, voilà. D'accord. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Ciao. Bon retour. Down on the highway with your old sense of joy. Down with everything. Ouais, c'est magnifique. Là, c'est quand même... Ça coupe les respirations tellement c'est joli. Ah oui, là. Hein, c'est beau. C'est splendide. Regarde cette toute petite chapelle, regarde comme elle est mignonne. Comme les gens étaient petits, sans doute, pour pouvoir entrer dedans. Et de tous les femmes de marins qui ont vu leur... Marie partir vers Islande. Ah oui, ça c'est vraiment très très beau. Quand il fait encore plus beau, parce qu'il fait déjà très beau, on voit l'île de Ouessant. Oui, ouais, l'île de Ouessant. Vous le connaissez, Yann Tiersen? J'ai fait un concert avec lui et Miossec il y a des années. D'accord, oui. Au Vauban? Oui. T'es un beau musicien, Yann Tiersen. Il fait des belles musiques, je trouve. Christophe aussi. Ça serait bien de croiser Christophe. Oui, oui, oui. Ça serait bien, on va essayer. Oui. Ça serait super de le croiser, oui. Christophe, je l'adore. Et si là, Jane, on pouvait mettre de la musique, par exemple, tac, en claquant des doigts, qu'est-ce qu'on mettrait? 10e symphonie de Mahler. Okay. Bien plombant, j'adore. Regardez. Ça déchire le cœur quand même, cette façon de tirer avec les cordes, les violines. Mon Dieu. C'est très érotique finalement, parce que ça n'arrête pas de monter et tu veux juste qu'il te lâche et que ça... le désespoir. Vous travaillez avec Étienne Daho sur le... Ben oui, sur les concerts à venir, voilà. Oui. Ouais. Ben, il organise tout, parce que moi, je dis que je ne savais rien faire, en fait. C'est quoi qui vous a donné envie? Qu'il fallait motiver des musiciens, qu'il fallait trouver tous les idées, le concept de lumière, voilà. Comment vous le décririez, Étienne Daho? Il est comment? C'est une si grande enthousiaste pour les autres. Ah, ça c'est précieux, si grande... connaisseur aussi de musique, chose que je ne suis pas du tout. Et il m'a encouragé tout le long de mettre mes mots en valeur. Il a ciselé dans le texte pour pouvoir faire une autre chanson avec. Enfin, je ne pouvais pas être avec un complice plus stimulant. Qui vous comprenne. Ah oui. Ouais. Et j'ai l'impression que dans les états d'âme, on se ressemblait pas mal. Il y avait un vertige de le mélodrame. Où est-ce que vous avez travaillé? Chez lui, à Paris? Oui. Mais très peu de temps. Il m'a envoyé à Brest de temps en temps pour faire... Vous isoler un vide, peu justement. Le vide, oui, ouais. Oui. Il savait que l'isolement était propice pour trouver des... Mais il avait raison? Oui, ouais. Oui, il avait raison.
Alors là, je vais t'emmener à un endroit où il n'y a jamais personne. Pour moi, c'est la plus jolie plage. Et c'est tout droit vers la mer. Et c'est pas construit. Et c'est pas construit. Et tous les enfants ont appris à conduire la mairie sur les dunes à gauche à partir de 10 ans. Ah oui. Vous m'avez pas menti, il n'y a personne. Mais est-ce que vous savez qu'il y a eu un grand festival ici? Elixir, ça s'appelait il y a 30aine d'années. Ah mais oui, avec je ne sais pas combien de milliers de personnes. Les Stray Cats, Fela, Jimmy Cliff, c'était noir de monde. M'a-t-on dit, j'y étais pas. Vous aimez-vous les concerts et puis les concerts en plein air où il y a plus de gens, enfin, c'est quelque chose qui vous... Je découvre un peu, mais je pense qu'il y a 2 ans, à peu près, j'ai fait des francopholies à La Rochelle, où j'ai chanté la Marseillaise, ça, c'est parce que le football venait de gagner. Ah oui. Ah ouais, ça c'était quand même une responsabilité monstre. Mais c'était très émouvant et puis on a fait des vieilles charrues en dessous la pluie. Ah. Ah, c'était magnifique. Ah. Ah oui, si on jette, elle va aller chercher. C'est son première sortie à la mer, quand même. Ah. Elle connaît pas ça. Et ici, Kate venait faire toutes ses photos. On embarquait les lits de ma maison en fer. Elle faisait des photos de mode merveilleux de Charlotte sur les lits en fer avec les robes de Christian Dior. C'était somptueux. Magnifique, magnifique. Vous avez plein de souvenirs ici. Ah bah 30 ans de souvenirs, c'est quand même beaucoup. Bella, elle découvre. C'est traître. Oui, oui, parce que ça monte vite. Hein. Moi, je suggère qu'on va manger, non? Alors, t'as moi, je suis d'accord avec vous. Ça fait du bien. Ouais. Mais manger avec grand bonheur. Alors, ce que vous m'emmenez maintenant? Je t'emmène pour acheter du pain. Ah ben ça, c'est pour manger base. Avec des huîtres. C'est important les habitudes pour vous, les points comme ça, ou alors vous aimez bien plutôt changer? Bah, on change tellement que quand on est chez soi, on bouge plus. Je ne veux pas bouger beaucoup. Vous aimez faire le marché aussi, Jane, se promener? C'est très modeste, mais je file en fait entre ça, la boucherie, là, le ça, c'est le boulangerie. Lui, il cuit son pain là, et puis le bio-shop au fond là. D'accord. Ben là, c'est fait. Et voilà, vous avez... J'aime les gens locaux. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Quelque chose... Ah, on va les coulisses. Ouais. Oui, oui. Bonjour, Jane. Ça va? Ça va bien? Oh là là, bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. C'est les coulisses. C'est les coulisses. Ça, j'adore. C'est l'antre de la maison. C'est là où tout se passe. Super. En production, en tout cas. Ouais, super. Et là, on a les pains des abers qui sont au four. Alors, Jane m'en parlait. Moi, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pain des abers, c'est une création, entre guillemets. On n'invente pas grand-chose, mais c'est une création locale, parce que l'anis, c'est dans les abers, hein, donc entre la Berre Brac et la Berre Aiguë. Que Jane me fait découvrir. Absolument. Et donc, on a des copains qui sont marins. Et donc, il y a 25 ans maintenant, ils voulaient des pains qui se conservent pour aller en mer, au long cours, etc. Mm-hmm. Donc, on a mis au point une recette qui est donc un pain au levain, naturel, bio, bien évidemment, avec des farines locales, qui est fait sur des fermentations de 12 à 18 heures et qui est cuit dans un véritable four à bois chauffe direct. Et pour ma curiosité personnelle, si je vous en achète un maintenant, je peux le garder combien de temps? Bon, 10 jours sans problème. Ah, d'accord. Sans problème. OK.
Et après, quand on les fait pour les marins, on les garde plus longtemps, mais on les fait cuire. C'est la même recette, on diminue un petit peu en sel, et on les fait cuire un petit peu plus longtemps. Allez. Je prends celui-là ou je prends d'un autre? Ah non, on va le mettre dans un sac là-bas, parce que ça fera un peu de poussière autrement. D'accord. Merci d'être venu en tout cas. Ouais, merci à vous. Merci. Ça va mieux la jambe? Ouais, ça va mieux. Ouais. Merci, merci Jane, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Et le pain, là, on était dans les coulisses et maintenant on est là. Dans le public. Oui. C'est ça. Après, si vous voulez qu'on tranche, viens, on tranche. Hein. Merci, monsieur. Avec grand plaisir. Merci de votre visite. Je vais enrouler un petit peu. Je vais m'en faire offrir un petit peu. Ouais. Merci, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, ciao. Au revoir. Trick up, baby, stay up all night with a fancy. Là, on va aller tout droit, tout droit. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget. Hop. Je m'arrête là? Ouais. Je vais là? Ouais. Voilà. On est arrivé. Alors, on prend le pain. Hop, j'arrive à ouvrir, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Hop. Merci. Alors toi, alors la grosse. Tiens, je vous laisse vous faire les. Hein? Mais rien. Salut Jane. Ça va Jane? Ça va. Bon. Tu connais Gaëtan? Bonjour, enchanté. De nom, oui. C'est enchanté. Fois, hein. Ouais, mais moi aussi, je vous connais de nom. Jane me parle beaucoup de vous. Très, bah, c'est vrai. Bah, ça, écoutez, c'est avant depuis qu'on se parle. Si vous voulez, nous, on est connus par nos huîtres. Mmh. Donc, si vous voulez goûter quelques petites huîtres. Tu as mis des boudeuses? Bah oui, on t'a mis ça au bord de l'eau. Là. On a la chance, il y a un petit rayon. Exact. Oh là là, mais c'est quel accueil. Oh ben tu nous, on le dit avec toi, nos produits. Hein? Tu regardes la mer. Hein? Moi, je connais. Ouais. Alors, vous parliez des boudeuses tout à l'heure. C'est... Pourquoi on les appelle les boudeuses? Est-ce que c'est une question de taille ou... Alors, la boudeuse, en fait, c'est y a des huîtres, comme dans les humains, il y a des petites et des grosses. Mmh. Et en fait, il y en a certaines qui ne poussent pas du tout. D'accord. Donc, elles boudent. Ah, okay. Ah, ça vient de là. Elles d'accord. Boudent. Elles sont un peu plus maigres dedans. Mais celle-là, au moins... On vous a fait quelques plates ici. D'accord, super. Et puis quelques creuses ici. Donc, bonne dégustation. Super, vous allez voir le goût local avec un muscadet, bien sûr. Parfait. J'avoue que je l'ai déjà goûté. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci, hein. Ça, c'est un très bon argument pour acheter une maison dans le coin, par exemple. Voilà. Un très bon argument. Il faut être rapide, hein, parce que je suis comme une loutre. Ah là 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 là. À vitesse folle. Alors, je prends la dépêche. Je vois le côté. Il vaut mieux m'avoir en... En photo, on dit. C'est ça, exactement. Tout ça... Ma raison d'être ici, en fait, c'était ma curiosité de visiter une maison pile poum en face de l'île où mon père venait les nuits sans lune pour récupérer des aviateurs grâce à la résistance française du coin. Donc, il a fait ça jusqu'à l'île Bréa, hein, tout le long d'accord, de la côte oui. nord. Mais ici, c'était le plus terrifiant. Donc, il avait écrit des récits sur la Beuvrac. Et le nom m'avait frappé quand même, parce que ça fait allemand, ça fait un peu terrifiant. Oui. Et c'est là où les braves gens, comme le père de M. Tanguy, prêtaient sa camionnette pour embarquer les aviateurs jusque sur la plage, en dessous de l'algue pour les dissimuler, et puis les mettaient sur les îles en attendant que mon père arrive vers 3h du matin, 4h, 5h. Là, il fallait qu'il se rebarre avec les aviateurs, ouais. Laissant le matériel pour la résistance française. Et les gens qui étaient pour lui les plus courageux de toutes, qui étaient les personnes qui cachaient pendant un mois parfois, et parfois jusqu'aux 50 aviateurs, tu imagines, il y avait déjà 500 Allemands à Landeda et 500 à Lannelis. Donc, truffés d'Allemands. Ouais, et je connais leur histoire très bien parce que ça m'a passionnée.
Et M. Tanguy, vous le voyez, celui qui avait 15 ans, le fils ? Ah oui ? Je vois tout le temps parce que mon père est revenu souvent le voir avec ma mère, mais moi, je ne le savais pas. Et quand j'ai acheté la maison, je l'ai contacté avec ma mère et nous avons enterré les enfants de mon père sur la plage Saint-Marguerite, entre autres, parce qu'aussi à la plage Bonaparte, à côté de Paimpol aussi. D'accord. Tout le long de la côte, les résistants sont venus nous accueillir et laisser enterrer mon père tout le long de la côte. Donc c'était très émotionnel et très beau. Et vous me présenteriez, Monsieur Tanguy ? Oui. Je serais touché de le rencontrer. Rendez-vous sur la plage Saint-Marguerite. D'accord, alors avec plaisir. Tchin-tchin. Et il y en avait partout. Donc c'est incroyable qu'ils sont venus. Mon père voyait le rouge de leur cigarette. De l'école, là. Des Allemands. Et ça, vous l'avez appris tardivement. Ouais, après 67. Il y avait un secret, je parle pas de votre papa, une règle qui faisait qu'on pouvait pas raconter. C'était quoi cette loi ou je sais pas comment c'est, je suppose que c'était la volonté britannique parce que c'était une route qui pourrait être utile de nouveau si les Allemands se remettaient ça. Ah, d'accord. Et jusqu'à ce moment-là, votre papa, il vous en a pas parlé. Et à partir de ce moment-là... On savait quand même qu'il y avait quelque chose avec mon frère. D'accord. On savait qu'il faisait partie de la Secret Service. Donc, du coup, on savait que c'était secret. Mmh. Oui, donc vous respectiez ça, ce secret. Voilà le bon père, il est juste là. Il est échoué. Et puis ça connectait entre chaque bunker en fait. Ah. Où ils jouaient aux cartes, etc. Et où ils regardaient justement la mer. Ouais. Regarde avec ce vent. Ça va ? Oui. Il est là, Monsieur Tanguy. C'est J'ai M. l'impression Tanguy qu'on le voit. Parmi. Oh, Monsieur Tanguy. Oh là là. Oh. Attends, il est très vieux. Il est très vieux. Bon, Monsieur Tanguy, Edouard. Voilà. Ça va, Edouard ? Voilà. Ça va pas. Bonjour, monsieur, enchanté, Gaëtan. Et vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 15 ans. D'accord. Mais les aviateurs, ils arrivaient comment ? Avec leur tenue, parce que plus ou moins, il y avait donc ils avaient des bottes avant. Avec les bottes, ils ont été reconnus. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, alors donc, ils mettaient des souliers. Mais il y en a qui sortaient du 47. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas trouver du 47. Donc ils ont pris du 43 et puis ils ont coupé les boucles. Ah oui, voilà. Voilà. Et comment d'après Piquel, qui était de Madelot, de cet temps-père, il me disait toujours qu'il avait peur des batteries de Saint-Pavu qui étaient en face là-bas. Ah oui. Oui, voilà. Oh là là, mais la nuit, ça, avec ce que me disait Jane, les nuits sans lune, ils utilisaient les rochers pour se repérer aussi. Bah oui, bah alors ils devaient se garer par là, quoi. C'est en face à l'étroit, ouais, là. Pas en face, là. Hein? Et puis les petits canots, alors revenaient de là. D'accord. Jusqu'à ce qu'on fait. Ouais, et de l'autre côté pour pas être vu comme vous me disiez. Ouais, c'est ça. Ouais. On va se mettre à l'abri. Voilà, bon. Hop. Ah, là, on est plus à l'abri. Oui. Alors. Montre-nous tout. Montrez-nous ce qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Alors ici, ça c'est donc avec Picalt, qui était le matelot du père Birkin. Oui. Sa femme. Mm-hmm. C'était du côté de Côte d'Armor. Quoi. Vous ? Là, c'est moi, oui. Voilà. C'est mon frère. Mère, le papa de Jay. Davis, Birkin. Hamilton, mon père. Mm-hmm. Il est employé de maison. Et puis les deux matelots qui ont dormi 6 jours pendant la guerre. D'accord. Ici, Picalt. Oui. Et celui-ci, il a pas eu de chance, il a sauté sur une mine 3-4 jours avant la fin de la guerre. Oui. Donc, sur le Cagérac, là-bas, à côté de la Danemark. Voilà. Est-ce qu'on on s'arrêtait à la porte de la chapelle ? Est-ce qu'on ne regarderait pas dedans ? Moi, je ne l'ai pas vue, cette chapelle. Ah oui, oui, tu as raison. Regarde comme c'était joli. Viens voir.
Tu es venu souvent ici, Edouard? Pas souvent, non. Non, je suis de l'Annelys. Hein. Ben oui, il y a une division entre l'Annelys et ici. Et on n'est pas loin pourtant. Mignon comme tout. Vous êtes croyante, mystique, Jane? Non. Non? Non. Et pourtant les lieux, et vous, monsieur? Peu, quoi. Ouais. Ouais. On est tous un petit peu, non? Oh, oui. Ouais. Non, j'ai trouvé ça charmant pour faire un petit concert, j'ai trouvé ça nickel. Il valait mieux être avec les Anglais, les Américains et contre votre propre pays. C'est quand même une décision incroyable, oui. Je trouve. Quel sens de ce qu'il faut faire et pas faire? Et vous êtes la marraine d'un port, celui de La Bervraque? J'ai dit d'accord, pas tellement pour le port de La Bervraque. C'est parce qu'ils m'ont demandé d'être marraine de le bateau de sauvetage. Et j'ai toujours eu énormément d'admiration pour eux. En été, ils ont perdu 7 personnes quand même. 3 de la même famille. Bah oui, puis ça peut que résonner avec l'histoire de votre papa, et oui. Évidemment. Tiens, les vaches sont assises. Ah, ça veut dire quoi? Qu'il va pleuvoir. Et là, on descend, c'est un peu glauque. Mais là, c'est là, on arrive à La Bervraque. Oui, avec ce nom un peu terrifiant. Pourquoi? Vrac, je pense que c'est sorcière. D'accord, j'ai pas regardé. Je crois. Ouais. À marée basse, ça fait toujours désolé. Et puis là, c'est le bon exemple qui prouve que c'est jamais... C'est toujours différent. Et la musique du coin, Jane, la musique celtique, c'est quelque chose qui vous plaît, pas plus que ça, hein, comme vous... Oui et non, en fait. Ouais. Il n'y a pas de salle de fête ou des choses comme ça ici. Je crois pas. Donc pas de découverte, vraiment. Ouais, je comprends. Non, j'ai découvert Mieux Sec, en fait. Il était le charme de tout ça. Finalement, c'est Mieux Sec, la musique bretonne. Oui. Je comprends. Donc vous avez compris ma surprise, Jane, c'est qu'on va rejoindre Christophe. Là, tout de suite. Dans un endroit qui s'appelle le Moulin de l'Enfer. Vous connaissez? Non. C'est à côté du Pont du Diable, m'a-t-il dit. Parfait. Tout ça concorde bien. Déjà venu, Jane, ici? Jamais. Alors là, coupe, moi non plus. Coupe. J'ai quand même hâte qu'on voit Christophe au bout du chemin. Mais bon, je suis confiant. Mais qu'est-ce que c'est? Regardez, Jane. C'est fou, cet endroit. On va voir. Eh oui. Si on trouve Christophe. Oui. Bon, il est tout au bout. Regarde, là. Eh oui. Eh oui, c'est lui. Il a dit vrai. Hello. Hey. Salutations. Il a pas menti. Au bout du bout, il avait dit qu'il vous sauriez. Wow. Coucou. C'est joli, ça va? Ça va, et vous? Salut, Christophe, ça va? Ça va, les enfants? Ouais. Bonjour, bonjour. On est où, là? Bon, on est à La Bervraque. C'est le Pont de l'Enfer, en fait, c'est l'endroit du Père Jaouen. C'est Père Jaouen, c'était un moine jésuite qui emmenait des jeunes délinquants, des jeunes drogués sur l'Atlantique et qui, pour les faire décrocher, pour les faire revenir. Et du coup, il est décédé il y a quoi? Il y a 3-4 ans, 2 ans, 3 ans. Et du coup, c'était vraiment son endroit. Et quelqu'un a repris? Lui, il ne le fait plus, mais il y a quelqu'un qui continue à emmener les jeunes qui ont besoin de décrocher. Et du coup, il y a des gens de la France entière qui offrent des bateaux en fait à l'association. Et du coup, il y a... Ah, c'est ça, alors. C'est pour ça qu'il y a des bateaux un peu de tous les genres. Hein. Ouais, c'est incroyable. Non, puis ça reste sauvage, c'est difficile d'accès. Ouais, c'est super. Ouais. Et vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux? J'avais écrit un article longtemps sur lui pour Elle Magazine sur boire, je crois. Et alors, qu'est-ce que vous aviez dit de Christophe Niosek sur moi? C'était très chiadé, ce que j'avais écrit. J'avais pris des paroles de toutes ces chansons, etc. Ouais, mais c'est ah oui, j'étais très admiratif. Je le suis. Alain Bachung, il disait de Christophe que c'était un tendre granit.
Ça vous, oui, je ça m'en souviens de ça. Ça, c'est tellement beau, je trouve, comme expression. Ah si. C'est bien résumé. C'est magnifique. Ben, disons qu'on ça remonte en 98, c'était... Oui, facile. On a fait des duos ensemble un peu, oui. Sur moi, les connais, shows. Je connais pour un flirt. Ça, on a fait, voilà. C'était rigolo, on a fait ça à Brest. En 304, on avait fait le clip avec tous les gens de Ouessant qui étaient venus. Ouais. Ils étaient tous dans les couloirs. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas, il y a une auberge qui s'appelle l'auberge du pont, m'a-t-on dit, ouais, est-ce qu'on n'irait voilà. pas y flâner? Ça vous dit? Ça fait envie. Allez. Laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time is on. Okay. Just gotta keep on. Et on va chanter ouais. là, alors? C'est un peu l'idée. Tu vas chanter, toi? Non, moi, je pourrais pas chanter parce que j'ai la voix cassée, malheureusement. Oh. Mince, oui. alors. Mirabelle, elle pourrait jouer du violon. Ça se casse pas comme ça. Ouais. Voilà. T'es trop mignonne. C'est l'astuce. Allons voir, ça a l'air recouvert. C'est là. Sujique, ce ne rien dévoiler du tout, c'est dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les deux sujiques, c'est une jartelle qui claque dans la tête comme un père de claque. Les deux sujiques, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, enfilés. Les deux sujiques, c'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang. Les deux sont chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Les deux sont chics, c'est des dentelles et des rubans, d'amertume sur un paravent désolant. Caché, mais il est là. Monsieur Biosec. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest? La rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. C'est bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre. Par la renverse.
découvrant ce que l'on délaisse. La rue de Siam, ces nuits d'ivresse, ce n'est pas un mot de politesse, juste l'usure des nuages et tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Nom de Dieu, que la pluie cesse. Même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Est-ce que toi aussi, ça te bouleverse? Est-ce que toi aussi, ça te bouleverse? Ces quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce? J'adore chanter cette chanson. Elle est magnifique. Oh là là. Merci, Jane. Pour oh non. Cette promenade. Merci infiniment, très sincèrement. Ah, écoute. Et une dernière chanson pour se dire au revoir. D'accord. De ton dernier disque. Oui. Si tu veux bien, c'est moi qui choisis comme ça. Non, si tu veux bien, Les Jeux Interdits. D'accord. Voilà. La 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 la
Voilà, c'est fini. Merci à Jane Birkin, merci beaucoup, merci à Christophe Miossec, merci Mirabelle Edouard également, merci pour cette belle journée et ces belles rencontres. Moi, je repars vers d'autres destinations, les yeux et le cœur pleins de beaux souvenirs. D'autres amis m'attendent. Kenavo, Madame Birkin.